Albert de Monaco commentera le bobsleigh des Jeux 2018 sur France 2. Passionné de bobsleigh, Albert de Monaco commentera sur France 2 ce dimanche 18 février, l'épreuve à deux des Jeux Olympiques de Pyeongchang. France 2 a recruté un consultant très royal pour commenter l'épreuve à deux de bobsleigh des Jeux Olympiques de Pyeongchang, ce dimanche 18 février à midi. Il s'agit d'Albert de Monaco, un véritable passionné de ce sport de glisse. Le papa des jumeaux Gabriella et Jacques sera présent sur place aux côtés du journaliste Richard Coffin et de Bruno Thomas, ancien membre de l'équipe de France de bobsleigh, et proche de la famille princière du Rocher. Avec sa retenue habituelle, Albert de Monaco apportera son expertise sur les manches des différentes équipes nationales sur la piste sud-coréenne. Il soutiendra à coup sûr l'équipe de Monaco composée de Boris Vin et Rudy Rinaldi. Le prince monégasque s'est déjà retrouvé à leur place à 5 reprises. Même s'il n'a obtenu aucune médaille olympique, il a porté haut les couleurs de la principauté lors des Jeux olympiques d'hiver de Calgary en 1988, d'Albertville en 1992, de Liamey en 1994, de Nagano en 1998, et de Salt Lake City en 2002. Il avait eu l'honneur d'être le porte-drapeau de la délégation du Rocher à 3 reprises. 4 athlètes monégasques à Pyeongchang. Avant le début des Jeux 2018, Albert de Monaco avait présenté dans le très chic cadre de l'hôtel Fairmont les 4 athlètes qui représentent Monaco lors de ces Jeux Olympiques de Pyeongchang. Outre les deux bobeurs Boris Vin et Rudy Rinaldi, les skieurs Olivier Genot et Alexandra Coletti tenteront de remporter la première médaille olympique de Monaco aux Jeux d'hiver, même si leurs chances sont infimes.